Véronique, non, 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 mais attendez. Non, non, mais on accepte qui on veut, mais pas la fin. 365 jours de l'année, il dit n'importe quoi. Pour les agriculteurs, le travail des agriculteurs, le matériel des agriculteurs. Ils détruisent le travail des agriculteurs et le matériel des agriculteurs. Non, Véronique, non, non, on n'est pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, c'est pas bien. C'est pas loin, c'est pas loin. Non, Véronique, non. C'est pas bien, Véronique, c'est pas bien. Qu'est-ce que vous allez dire? Rien du tout. Ça fait 20 ans qu'on est bagarre pour l'exception. Ah oui, ça se voit. Chacun le sait. Ça fait 20 ans que je me bagarre sur l'exception agriculturelle. Ça fait 20 ans. Non, mais ça se voit pas. Qu'est-ce qui. Monsieur Ruffin. Ça fait 20 ans que je pense qu'il faut sortir l'agriculture des accords de l'OMC. Je me suis battu contre les accords du GATT. J'étais contre la nouvelle PAC, la PAC de 92. Et quand je lis ce qui a été le premier manifeste de la coordination rurale, je retrouve plein de points de convergence. Donc oui, je suis pour une régulation de l'agriculture. Je ne pense pas que c'est le marché qui doit dominer tout. Je pense qu'il nous faut... Qu'est-ce que vous avez pensé de Sainte-Soline, monsieur Ruffin, s'il vous plaît? Est-ce que je suis favorable aux retenues collinaires? Je n'ai pas de problème avec les retenues collinaires. Est-ce que je suis favorable aux méga-bassines? Non, je n'y suis pas favorable. D'accord. Voilà. Pourquoi vous êtes favorable? Est-ce que c'est de l'eau pour les agriculteurs. L'eau, au lieu d'aller à la mer, elle vient dans les bassines. Non, mais là, on n'est pas d'accord. On ne comprend même pas que vous soyez assis, là, franchement. Non, mais là, on ne discute pas. Nous, on ne discute pas avec vous. Non, on ne comprend même pas ce que vous faites. Continuez le débat, il n'y a pas de souci.